Salut tout le monde, c'est Kishum de Follow Switch et aujourd'hui... Quel enculé. Ok, salut à tous, c'est Kishum de Follow Switch et aujourd'hui on se retrouve dans la merde. Et oui, ça commence bien, on se retrouve sur, vous l'aurez reconnu, GTA 5. Nous sommes là en mode online, j'étais tranquillement posé en train de me préparer à faire la vidéo quand ce mec m'a foncé dessus. Donc je l'ai buté, j'ai tiré dessus, les flics m'ont tiré dessus aussi. C'est la, c'est le bonheur le plus total, on va se planquer. On est en mode attaque de gang, donc il y a du bordel de partout. Lui il est tombé. T'es mort. Place pour les faibles. Donc on se retrouve sur GTA Online en mode totalement impro, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais essayer de vous caser une ou deux missions qu'on voit un peu de multi. Je parle beaucoup trop vite pour qu'on puisse comprendre correctement. On se m'a couvert. Die bit. Ok. Die dans les fesses. Allez hop. Toi là-bas je t'ai vu mon gars. Sors ta tête. Vas-y sors ta tête. On va sortir. Vas-y sors. Oh punaise ils sont deux avant sur toi leur tête. Hop. Meurs. Ok ok. On se met à couvert. Ils sont où? Si vous les voyez, vous me le dites. Là-bas, vous l'avez vu. Je sais que vous l'avez vu. Toi aussi, je t'ai vu. T'es où, mon gars? Die, bitch. Faut que je recharge. Ok, je suis en mode totalement pas safe. Hop. Putain, je t'ai niqué. Faut qu'on bute tous les membres du gang, en fait, pour libérer la zone ou pour je ne sais pas quoi. Oh, 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 qui me tire dessus. Il est plus bas. En face. Oh. Il est là. Hop. Allez. Oula. Dernier ennemi. On va pas le louper lui. Il est où exactement? Il doit être là derrière. T'es où mon gars? T'es où? J'ai vu ton ombre. Et voilà, il est mort. Nickel. Attaque de gang réussie. J'espère que ça va pas crash. La dernière fois, ça a crash. J'avais fait une attaque de gang. Tire en pleine tête, 7. Bout portant 1. Plus 500 RP. Level 39. Vous avez vu, je suis trop au level. Donc, ouais, donc comme vous l'avez souvent remarqué, je suis pas super au level et j'ai pas beaucoup de sous. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup joué au mode online. Donc, j'ai pas beaucoup avancé, quoi. Oh, oh, attendez. Les nouveaux événements en mode libre, c'est des événements aléatoires, c'est quoi ça? Mallette spéciale, on y va. Ok, il nous faut juste un véhicule. Ah, nickel, ok. Donc c'est des événements aléatoires du mode online. Donc qui rajoutent un peu de dynamisme au mode libre. Et donc, alors... Il faut qu'on arrive à le retrouver et à le... buter. Voilà, j'ai pas du tout pris la bonne route, ça commence bien. J'ai pas une super voiture, ça commence bien. On va super bien le retrouver, génial. Ok. Si je vois une meilleure voiture en chemin, je la prends. Donc oui, donc il y a plusieurs, je disais, il y a plusieurs événements qui rajoutent des... du dynamisme au mode libre, là. Donc on a la prise de mallette, après on a des mini... mini compétitions du style plus longue roue avant, plus longue roue arrière, plus longue esquive, plus nombreux... véhicule esquivé à grande vitesse. Est-ce que mon marqueur reste sur lui? En principe non. Il n'a pas bougé, pourquoi il bouge pas? Il reste planqué. Ah, vous pouvez entendre la musique. C'est ma musique perso. Comme je modèle pas mes vidéos YouTube, je mets toute la musique que je veux quoi. C'est bien ça. Ok. Il est au port. Il a dû se fortifier, moi je vais arriver, j'ai pas de protection. J'ai la moitié de ma vie, j'ai pas des supers armes. Je vais me faire buter en 2 secondes, toi. Alors, je peux faire ma pute. Je me rapproche de lui. Je mets en mode passif, je me rapproche de lui. Au dernier moment, je sors du mode passif. Non, c'est pas fair play. J'ai pas les joueurs qui font comme ça. Je
Pas la peine de te barrer, mon gars. Il est quoi, il est dans l'eau? Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il fait, il est là? Il veut quoi? Mais il est... Pourquoi il a fait ça? Mais c'est quoi sa logique? Par contre, y'a un mec qui est pas loin. J'espère qu'il est dans l'eau aussi. Tournons vite ici, j'ai vu un arrière. Il me faudrait une échelle en fait, les gars. Il veut quoi? Ok, prions pour qu'il arrive à l'avoir. En espérant que c'est pas un véhicule personnel. Dans ce cas-là, je serais dans le caca. Et non, c'est pas un véhicule personnel. Pourquoi tu l'ouvres? C'était cassé. Ok, donc là, il faut que j'arrive à décoller. Ce qui n'est pas du tout sûr. Tu veux faire quoi, mon gars? Ok, il m'a mis en feu. J'arrive à décoller. Je devrais le faire. Est-ce que j'arrive à lui échapper? Que je rentre le train d'atterrissage. Et voilà. Je l'ai niqué. On va refaire un pass. Ok, c'est pas bon signe. C'est pas du tout bon signe. Ok, alors. Je vois rien. Faut que j'aille reprendre de l'air à la surface. On va rejoindre la plage. Ils sont où? Comment on plonge? Je sais plus comment on plonge. Ok, nickel. Je gagne du souffle. Et il m'a snipé. Voilà, c'était sûr. Ok, il réapparaît plus vite. On va récupérer la mallette, les gars. Je réapparais juste à côté. Il est où? Il est où, ce bâtard? Il est dans l'eau. Je crois qu'il est dans l'eau. Quoi? Au pistolet, mais arrêtez de déconner! Quoi, cette arnaque? Nique ta race, enculé. Quel bâtard! Quel bâtard! Ok, il me faut un véhicule. Un rapide, c'est possible. Ce qui n'est pas du tout des cas du véhicule, des véhicules dans le coin. Ouais, passe-moi ton véhicule, toi. Ta gueule, fais pas chier. Faut que j'aille gagner. Ok,
Dépensons-nous. Il reste 3 minutes 12, il peut encore gagner. Ok, bah les couilles, frère. Ok, je voulais l'aider au départ, là, vas-y, c'est ça les potes, bah ouais, bravo. Au début, je voulais l'aider à buter l'autre. Ok, les gars, vous êtes tous morts. J'espère. Elle va pas assez loin. Je sais pas ce qu'il m'a mis, mais ça fait mal. Ça fait très très mal. Bon, là c'est même plus la peine d'essayer. On va faire exploser tout ça, les gars. Les gars, je sais pas comment je vais passer. Oh, c'est une Kuruma blindée. Nickel, ça. Bien joué, mec, de l'avoir laissé. Bien joué. Et je prends le large avec la mallette. Allez, bande de cons. Ciao. Ça tombe bien parce que j'avais pas de Kuruma blindée. Parce que ça coûte une blinde. Par contre, comment je sors de là? La musique. Ok, ça passe pas. Nickel, les voies de train. Parfait. 25 secondes. Je vais gagner. Allez, j'essaie de tout sniquer là. Alors là, parfait. Parfait. Je les ai semés, mon gars. Ils peuvent plus rien faire. J'ai pas fait exprès, je vous jure. 12 250, c'est bon ça. Et en plus, j'ai volé la voiture à un mec. C'est qui le meilleur? Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que j'ai des sous sur moi que je devrais mettre à la banque? Il y a quelqu'un qui m'a aidé, hein, niquez vos races, hein. J'ai voulu me buter. J'ai que 236 sur moi en fait. Mais on sait jamais, pourquoi se faire prendre. Un sou est un sou. Sa voiture, je ne sais pas, tant pis pour lui, ça vient maintenant. On m'a invité. Ah, on va voir. C'est Martin. C'est toujours valable. Voyons voir. Essayons une course. Est-ce qu'il y a de la place? Je vais pas faire niquer parce que la dernière fois j'ai voulu rejoindre une session. Trois fois j'ai voulu rejoindre des missions. Il y avait. Allez, on va le regarder. Parce que nous, on est en mode spectateur. Lift off, ça avait l'air stylé comme, course. Parce que en. Et donc, ça, c'est des trucs pour aller plus vite. Alors, caméra. Le filtre, on va le changer parce qu'il est dégueulasse.
Bah il est tout seul le mec. Je crois que c'est manque de vitesse. C'est pas un filtre normal. Putain, trop stylé. Ouais, ils font de ces trucs. Il est premier sur deux. Il va pas très vite là, il fait quoi? Pourquoi il s'arrête? Ah, il attend le mec derrière, il lui fait un fuck. Non, il lui fait quoi? Ah, il va lui tirer dessus. Ah, le bâtard! Il a voulu le défoncer. Oui, des courses en mode Mario Kart, je sais pas si... Je pense qu'il y a ça aussi sur PS4. Je pense, je sais pas, j'ai pas joué à GTA sur PS4, enfin en tout cas pas en mode online. Donc je ne saurais vous dire, mais bon, c'est chiant, on va quitter le mode spectateur. Voilà. Tout ça pour un chargement infini, hyper long. Les chargements sont vraiment longs. Ah, je dis que les chargements sont vraiment longs, c'est bon. En 2 secondes, je suis arrêté. Oh, je retourne même dans ma voiture. C'est pas beau ça. Une voiture vintage là. C'est une mission de préparation, mec. C'est une mission de préparation. Mais j'ai pas envie de faire une mission de préparation. Moi. Allons braquer ce magasin, on est juste à côté. Même si j'ai déjà braqué. Pas de chance, mon gars. Et comme on est des bons braqueurs. Non, je me trompe de touche. Voilà, comme ça. Accessoires. Masque. Allez, on va te faire peur, mon gars. Allez, dans ma toux. Plus vite. Plus vite, mon gars. Allez. Je défonce tout le magasin. Ok, faut que je recharge, mais bouge pas maintenant. Allez, tu fais quoi, mon gars? Tu veux crever, c'est ça? Putain, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lent. Dépêche-toi. Ok, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Demi-tour en vitesse et on part. Ça devrait être facile à semer. Là, on va tourner à gauche. Ok, le virage pas du tout contrôlé. J'ai un plan de extraction, les gars. J'ai un plan d'extraction. Rendez-vous à l'aéroport. Et comme je micro trop. Je sais super bien les bruitages de frein à main. Et de. Enfin de dérapage au frein à main. Ok, faut traverser la voie ferrée les gars. Ok, ok, je sais pas conduire. C'est bon, je me suis rattrapé. Ouh, dans le trou. Nickel. Nickel. On va s'enfuir. Oh non. Nickel. C'est une blague. Ah, je me suis trompé de touche. Un titan comme ça au KLM. Ok. On voit que dalle. Pareil au décollage. On a échappé aux flics. Extraction. C'est parti. Ils ont super bien. Enfin, super bien. Je suis pas un pilote de ligne. Mais je trouve qu'ils ont super bien modélisé l'intérieur des. Des véhicules, presque tous. Certains véhicules ils sont pas modélisés à l'intérieur. Je ne sais plus lesquels. À certains, je sais que c'est pas possible. Donc là, il y a tout. Il y a l'altimètre, il y a la vitesse, il y a si on a rentré le train d'atterrissage ou pas. Il y a même un sonar ici. Enfin, un sonar, un radar. Sonar, c'est pour les sous-marins, si je ne m'abuse. Uniquement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Faire des pirouettes. Avec un gros porteur à la base. Alors, voyons voir la carte. Oh, on va aller au Mount Chiliad. Et on va le descendre. En moto. Parce que tout le monde l'a déjà fait, ça. Et c'est pas du tout original. Mais que c'est quand même grave stylé. Et que je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. D'accord. Voilà. Je n'ai pas d'autre argument à ajouter. Et on va essayer de pas mourir. Ce qui va sûrement arriver, on va sûrement mourir. Plus vite. On va se larguer en parachute.
Je suis sûr qu'on va complètement louper notre largage en parachute. C'est sûr et certain même. Oh, une course terrestre. Allons-y. J'ai changé mes plans. On va faire quelque chose d'original en fait. On va faire une course terrestre. Nickel. Oula, ça a l'air casse-gueule. Loop et Wallride. Ça a l'air d'être le bordel. La voix radio perso. On a une super musique qui met trop la bonne humeur. Lancement de la session des 3 joueurs créé par Guilherme94. Quelle voiture on prend? Je ne sais pas. La Zentorno la plus cheatée. On va prendre la T20 en mode rouge solaire. Métal. Confirmé. Je suis prêt les gars. Parce que j'aime pas prendre la Zentorno, je trouve que c'est trop de la triche. Je ne parie pas du tout sur moi si on va parier 200. Je peux en parier. Pas les moyens de marcher des voitures comme ça encore. Il a pris la Zentorno. Ok, il commence à me faire chier. Ok, ils le prennent comme ça. Ils veulent faire du stock car. Pas de soucis. On va les défoncer, vous en faites pas. Y'a pas de trafic. Trop freiné là, on ne connaît pas le parcours. Ok. Elle est très maniable, c'est pas ironique. Elle tourne bien, donc on va freiner un peu moins. Bon là, on va freiner quand même un petit peu. Oh, par où il passe? Ok. Oh bah il est juste là, on va la rattraper. C'est bien, j'ai pas trop de D5 parce que la dernière fois, j'ai fait une course avec un mec mais qui laguait complètement. Ce qui fait que je croyais que quand je passais en première position, ben c'était pas vraiment le cas parce qu'après le mec il se téléportait devant moi. Les problèmes de GTA Online. Bon, celui qui avait une mauvaise connexion, je pense. Ok, on va lui foncer dessus à lui. Si j'arrive à le rattraper. Allez, l'aspiration. Allez, dégage, connard. Tu m'as fait chier au début, maintenant j'ai envie de te faire chier. Deuxième. De toute façon, même si on arrive dernier, on est sur le podium. Il pourra me coûter des choses. On va le dépasser dans le virage, là on le rattrape. Allez hop, dans le décor mon gars. C'est par là. Ok, ça va pas le faire, ça va pas passer, j'ai ralenti, ça va pas passer. Ah le con il est passé. Ok, on va réparer son niveau. Dernier point de passage validé. Ok, c'est loupé après. C'est parti, ça passe. Ça passe. Là, ça va pas passer. Ok. Ça va passer. On va tout droit. Ça passe. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai rien compris. J'ai pas. Je suis mort. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh sa mère. Je comprends pas. Ça passe crème. Ça passe crème. Je suis combienième? Je suis premier, nickel. Ah putain, trop bien la musique. Back in Black SDC. La base.
Allez, pour conclure sur une victoire, c'est pas mal ça. Enfin, j'espère que je vais gagner. Je sais pas où est la ligne d'arrivée. Il y en a un qui est passé, il me suit deux. Que je gâche le morceau. Allez, faut pas que je perde maintenant. Yeah! Yeah! C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Je connaissais pas le circuit, j'ai gagné. Ouais. Ok. Il faut rester modeste. Je garde la tête sur les épaules. Il y en a qui galèrent. Ah bah celui qui était en tête toute la course, il va y galérer maintenant. Mais bien fait pour lui. Bien fait pour toi, mon gars. T'as tout ce que tu mérites. En marche arrière? Ah le bâtard! Il essaie des trucs. Il tente des choses et il n'y arrive pas. On l'attend du coup. T'as 7 secondes pour terminer la course, mais ça c'est impossible à comprendre ce qui se passe là-dessus. Ah enfin il y arrive. Oula, il a failli se manger. Et il n'aura pas terminé la course. Vous êtes premier. J'aurais dû parier sur moi. J'aurais dû avoir confiance en moi. Je manque de confiance en moi, c'est ça le souci. Ok, bah c'était pas mal cette petite course. J'ai bien aimé. J'ai apprécié. Yeah! Je sais plus tout ce que c'était mon signe de victoire. Mais j'ai gagné avec une T20. J'aime. Parce que j'ai gagné. Nickel. Continuons. Et c'est là-dessus, les amis, qu'on va se quitter, hein. J'ai fait pas mal de choses, mais en vrai, j'ai pas fait grand-chose, mais c'est pas grave. Retour au mode libre. Voilà. C'était sympa, on se retrouvera. La course était sympa, parce que c'est un peu. Enfin bref, on se retrouvera dans de prochaines vidéos sur GTA Online. On se retrouvera également sur du Minecraft. Je vais essayer. Oh, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo qui sortira au cours de la semaine. Vous en faites pas. À moins que je sortirai d'abord l'autre vidéo que j'aurais tournée, puis celle-là ensuite. Enfin bref, je suis désolé de ne pas avoir été beaucoup présent ces 7 dernières semaines. Pas beaucoup est un euphémisme, puisque je n'ai été pas du tout présent. Mais ce n'est pas grave. Je vais m'arranger pour qu'il y ait du contenu. Oula, mon micro, il se barre. Ça va pas le faire, mon casque. Je vais m'arranger pour qu'il y ait du contenu. Je vais essayer de faire une à deux vidéos par semaine mise en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air. On se retrouve très bientôt. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.